Un accueil chaleureux a été réservé au président du Parti pour la justice et la liberté, PJL, à l'entrée de la ville de Biltine. C'est dans cette optique que le parti a installé 15 membres du bureau pour la province de Wadi Fira. Le président du bureau du Biltine, Hissène Sabour, rassure la disponibilité des jeunes de la province de Wadi Fira d'accompagner le parti dans la justice et la liberté. Vous serez le soutien sans faille, indéfectible des jeunes et de toute la population des provinces. Nous adorons entièrement votre programme politique pour qui ensemble nous menons la lutte pour la justice et la liberté pour le peuple tchadien. Le président du bureau exécutif national Abdoulaye Mahmoud Abdoulaye souligne que le parti a pour objectif de créer un État véritablement démocratique et stratège laïque. Par ailleurs, il affirme de l'effectivité de la souveraineté nationale sur les ressources économiques et financières. Leur exploitation doit être au profit de la nation tchadienne.